Je suis content que vous ne soyez pas blessé. Ces canoës ne sont pas très stables. Hein. On n'y peut rien. C'est vrai, on n'y peut rien, mon vieux. Alors, je reconnais que c'était stupide. Nous étions en train d'essayer ce nouvel engin et j'ai pensé qu'on pourrait s'approcher de vous tout doucement et faire quelques vagues. On s'est raté. Hein. Le bruit que vous entendez, c'est le vent qui traverse le crâne de mon frère adoré. Je suis désolé, quoi, c'est tout ce que je peux vous dire. Donnez-moi une liste des objets que vous avez perdus, je les remplacerai. Est-ce que vous avez une tenue de plongée? Oh, ça ne vous servirait à rien. Ça ne vous servirait à rien de plonger ici, il y a beaucoup trop de fond. Il y a tellement de vases que vous n'y verriez pas à 50 cm. Croyez-moi, j'y suis allé. Nous sommes vraiment désolés tous les deux, vraiment. Moi je m'appelle Clint Crockett, si ça vous intéresse. Et moi, Karen. Et moi, Smith. Quoi, juste Smith? Peter Smith. Enchanté. Des tirs à canoë. Et il y a un inconnu avec eux. Bon sang, Stuart, descends voir ce qu'ils peuvent être en train de fabriquer. C'est pas la peine, dans deux minutes, ils seront là. Ah, si ça t'embête, il faut le dire, j'enverrai quelqu'un d'autre. Vous défendez au baseball? Alors, peut-être au tennis? Ça peut aller. Clint ne veut pas prendre le risque de perdre. Vous êtes doué au ping-pong? Je déteste. Non, écoutez, je voudrais seulement me sécher et puis je m'en... Non, pas question, mon petit vieux. Ça va mettre un peu de piquant dans notre vie. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit défraiement amical? Nous vous devons au moins un verre et une invitation à déjeuner. Je ne voudrais pas vous déranger. Nous déranger? Écoutez, ce soir, ce sera très famille, très traditionnel. Mais à midi, c'est plutôt du genre pique-nique. Nous serions ravis que vous acceptiez. Qu'en pensez-vous? D'accord. Mmh.
Monsieur Smith, je vous présente mon oncle Stuart Martindale, Peter Smith. Bonjour, monsieur. Enchanté. Eh bien, que s'est-il passé? C'est bête, j'ai essayé le nouveau moteur. Je n'ai pas vu le canoë. Et je l'ai complètement inondé. Je suppose que le hors-bord vous a renversé. On peut dire ça comme ça. Monsieur Smith a accepté de déjeuner avec nous, mon oncle. J'en suis ravi. Je vais le dire à mes belles. Très bien, Jason. Dès que grand-père saura qui vous êtes. Karen vous mènera à ma chambre. Tu veux bien, Karen? Oui, bien sûr. Je vous donnerai des vêtements secs. À tout de suite. Où vas-tu? Il faut que je me change, grand-père. Karen, que se passe-t-il? Grand-père, je te présente Peter Smith. Monsieur Smith, Jason Crockett. Bonjour, monsieur Crockett. Mon cousin Mike Martindale. Bonjour. Eh bien, Karen? Grand-père Clint ne savait plus ce qu'il faisait. Et nous avons envoyé monsieur Smith dans le lac. Et nous l'avons repêché. Et maintenant, nous l'invitons à déjeuner. Mais il faut qu'il change de vêtements d'abord. Un instant, je vous prie. Monsieur Smith, je vous ai vu sur le lac très tôt ce matin. Et vous avez pagayé autour de cette île pendant des heures et pris des quantités de photos. Oui, c'est exact. Ne savez-vous pas que c'est interdit? Oh, grand-père! Non, monsieur, j'ignorais. Pourtant, il y a un écriteau là-bas où il est écrit propriété privée. Vous travaillez pour qui? Pour moi, je suis reporter indépendant. Je suis en train de faire une enquête sur la pollution pour une revue d'écologie. Avez-vous pris des photos de grenouilles? J'en ai vu ce matin une monstrueuse sur le ponton, grosse comme ça. Ces maudites bêtes sont partout et croissent toute la nuit. Ne t'inquiète pas, j'ai chargé Grover de faire ce qu'il faut pour ça. Monsieur Smith, n'avez-vous pas remarqué un homme tout à l'heure sur la petite baie en train de pulvériser du TX7? Un instant, grand-père, il faut qu'il change de vêtements, il est trempé. Grover n'est pas encore là? Il ne va pas tarder, Karen. Je voudrais appeler le directeur de la revue, je peux téléphoner? Oh, bien sûr, l'appareil est là. Quand vous aurez fini, je vous présenterai au reste de la famille. J'entends rien. Oh, vous allez voir la tonalité, ça ne va pas être très long. Non, non, j'entends rien. C'est probablement à cause des congés annuels, mais ça va s'arranger. Oh, Karen, regarde, tu as vu ce que les enfants ont fait, joli. Oh, adorable. Oh, Jenny, voici Monsieur Peter Smith. Jenny, la femme de Clint. Bonjour, madame. Bonjour. Et où est Clint? Il est monté dans sa chambre se changer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça, c'est une longue histoire. Oui, je sais, comme d'habitude. Venez, je vais vous présenter aux autres. Une seconde d'attention, mes chéris. Je vous présente Peter Smith. Voici ma tante Iris. Enchantée. Madame. Et mon cousin, Kenneth Martindale. Et mademoiselle Bella Berenson. Peter Smith. Bonjour. Soyez la bienvenue chez les Croquettes. Bonjour. Je ne suis pas encore très bien réveillée, monsieur Smith, mais je suis curieuse de voir à quoi vous ressemblez. Mm-hmm. Bon. Maintenant, vous pouvez aller prendre cette douche que vous a promise. La chambre de Clint et de Jenny est la porte à droite, au premier étage. Très bien. Kenneth, à ton avis, d'où peut-il bien venir? Tu le demandes? Tu en sais autant que moi. Voilà, c'est fini. Est-ce que tu crois que ton père sera content? C'est un Monica, je l'ai attrapé tout à l'heure. Je crois que c'est le plus grand papillon qu'on ait trouvé ici. L'autre, je l'ai attrapé quand j'étais à la ferme dans le Vermont. Maintenant, c'est très à la mode, les papillons. Oh, j'ai mettre à la mode, ma chère Bella. Où est-ce que j'ai bien pu poser ce papier métallique? Il faut que j'enveloppe ça avant le déjeuner. Tu te souviens de ce que je t'avais dit qu'un week-end ici te surprendrait? Eh bien, tu vois que je n'ai pas menti. C'est pas drôle de voir une femme d'un certain âge aller à la chasse aux papillons. Si ça la défoule, c'est son droit. Ce n'est pas plus ridicule qu'autre chose. Moi, par exemple, je sais que jamais je n'aurai la force de courir après quoi que ce soit. Minutage parfait, mon vieux. Vous étiez en train de regarder mon chandail. On dirait que vous avez été un athlète fameux. Oh. Et c'est ma femme qui a eu l'idée de le mettre là. Je l'ai toujours impressionné depuis l'époque où j'étais avant-centre à l'université du Middle West. Ah oui? Je ne crois pas avoir jamais entendu parler de cette université. Personne n'en a entendu parler. Mais j'espère que mes deux enfants iront là. Vous les verrez plus tard.
Cette photo, c'est Jenny quand elle était mon supporteur. Une bien jolie fille. Eh oui, je le pense aussi. Elle l'a toujours été. Vous reconnaissez le vieux Clint? Hein? Je n'ai pas du tout bougé depuis l'époque où je jouais. Je n'ai pas un kilo de plus. C'est très amusant. Et Jenny, elle, c'est un peu différent. Elle a deux toutes petites poches sous les yeux, mais c'est tout. Pourquoi on ne mettrait pas des vêtements secs maintenant, hein? Vous ne pensez pas qu'on se sentirait mieux? Là, très bien, très bien. Oui. Ah. Parfait, parfait, parfait. Monsieur Kenneth, j'ai un message de la part de votre grand-père. Avec ou sans giron, mon petit Georges? Il m'a dit de le citer exactement, monsieur. Est-ce que ta foutue montre est en panne? Réponds-lui que j'ai reçu le message. Est-ce que ton agence n'a jamais pensé à faire une pochette d'allumettes avec la photo de ton grand-père? Oh, il sait qu'il n'est pas aimé ni du public ni de sa famille. Et ça le rend fou de joie. Avec moi, il est plutôt gentil, je trouve. Jamais il ne voudra admettre que nous l'avons un peu bousculé. Oh, jamais on invite quelqu'un ici le 4 juillet. Et je t'amène, toi, une fille. Et ce qui est pire, un joli mannequin. Et autre chose aussi. Oh, mais jamais Jason n'admettra que nous l'avons bousculé. Oh, ça, jamais. Eh bien, on dirait que presque toute la famille est arrivée. Clint, y a-t-il une raison pour que tes enfants aient un peu plus de 12 minutes de retard? Où sont-ils, Jenny? Grand-père, vous savez comme il est difficile de faire sortir ses enfants de la piscine. Ils adorent l'eau, tous les deux. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je leur ai dit il y a bien 20 minutes de cela d'enlever leurs vêtements mouillés et de venir s'habiller pour le déjeuner. Jenny, je ne veux pas me mêler de savoir si tu élèves bien ou mal tes enfants. Mais il me semble que tu pourrais bien leur interdire la piscine jusqu'à ce qu'ils apprennent que l'heure des repas doit être respectée. Si tu agissais ainsi, je suis sûr. Grand-père, ce n'est pas de ma faute. Je me charge de leur faire comprendre, sois tranquille. Regardez, regardez, regardez ce que j'ai trouvé. Vous avez vu? Ah. Elle est gigantesque. Ah. Ah, ne sois pas stupide, Jacques. Non, elle est à moi. Bon, ça suffit. Vous êtes tous les deux terriblement en retard. Allez tout de suite vous asseoir et manger. Jacques, tu avais raison, elle était gigantesque. Oh, je déteste ces bestioles et leur croassement continuel. Tout le monde devient fou dans cette maison. Oh, alors, Jenny. Avez-vous vu beaucoup de grenouilles, Monsieur Smith? Quelques-unes, monsieur. Plus qu'il ne vous semblerait normal. Oui, je le pense. Mais ce n'est pas très surprenant. Elles se multiplient beaucoup cette année. Il y en aura moins l'année prochaine. Vous dites cela comme un expert en écologie, c'est bien ce que vous êtes. D'une certaine façon, oui, monsieur. Comme vous avez dû le voir, je n'ai pas une famille très patiente. Jamais ils n'attendront une année. Comment pourrait-on se débarrasser de ces grenouilles tout de suite? C'est incroyable. On dirait que tous les membres de notre famille sont obsédés par ces grenouilles. C'est vrai, elles empêchent tout le monde de dormir. Enfin, tous ceux qui n'ingurgitent pas un demi-litre de vodka avant d'aller se coucher. Sers-moi donc un verre, Karen. Comment peut-on s'en débarrasser? J'ai suggéré de verser de l'essence sur l'eau pour les asphyxier. Ça pourrait marcher, n'est-ce pas, monsieur? Oui, mais vous détruiriez beaucoup d'autres choses en même temps. Il me déplairait que ma maison ait une odeur de raffinerie. Et moi, en attendant, je ne dors pas. Oh, ce n'est pas la fin du monde, Jenny. Moi, j'ai l'impression que si. Et avec toute cette technologie et toutes les sommes que j'ai dépensées pour les tuer, les grenouilles sont toujours aussi nombreuses. Intéressant, non? Oui, monsieur, très. Vous trouverez sûrement. Je vous en prie, rendez-moi un petit service. Allez jeter un coup d'œil par là. Et puis, faites-moi un petit rapport, afin que je puisse rassurer tous ces gens nerveux et tremblants. Entendu. Je vais y aller. Parfait. Ces vêtements ont bien meilleure allure. Remerciez Mabel de les avoir fait sécher. Comptez sur moi. Et toutes mes félicitations. Grand-père m'a paru très impressionné. J'en suis ravi. Eh bien, bonne promenade. Merci, à tout à l'heure. Monsieur Smith, je voudrais vous voir un moment. Ce sera tout, Mac. Je partais faire ma petite inspection. Fermez cette porte, voyez-vous. J'aimerais vous demander encore un petit service.
Il est tout à fait hors de question que vous ayez vu toute l'île avant la tombée de la nuit. Oh, ça ne servirait à rien de voir toute l'île. Mais si vous preniez la route du nord, vous pourrez très certainement rencontrer mon employé, Monsieur Grover. Il est parti ce matin vers 6h30 sur ce chemin avec l'ordre de passer la nouvelle baie au TX-7 parce que c'est là que les grenouilles sont particulièrement nombreuses. Mais je me demande s'il n'a pas déserté pour aller voir une fille qu'il connaît et qui habite de l'autre côté du lac. Si vous le voyez, dites-lui que j'ai besoin de lui parler. Mais certainement, monsieur. Voulez-vous un fusil? Oh, non, merci. Une grenouille empaillée ne ferait pas avancer les choses. Mais Belle? Oh non, tout à l'heure, j'ai du travail. Ne soyez pas bête, laissez-vous vivre. Bon, après tout, pourquoi pas? Mais soyez gentil, ne le dites à personne. Alors, à la santé des croquettes. Vous savez, je m'appelle Mabel, moi aussi. Je l'aurais deviné. Mais née et élevée dans la ville de Jackson, Mississippi. Oh, Bella. Oui? Il y a toujours une tasse de café et une amie compréhensive à la cuisine, si vous en avez besoin. Merci, Mabel, parce que je crois que je vais en avoir besoin. Thank you.
Je m'excuse, la danse et moi, vous savez... Laissez-vous conduire, vous verrez que ce n'est pas si difficile d'apprendre. Peut-être. Elle est très originale, votre robe. C'est vous qui l'avez faite? Non, je ne l'ai pas faite. Je l'ai dessinée. Moi, je la trouve fantastique. Il me semble que nous parlions de la robe, non? Oh, je crois que je vais devenir folle avec ce bruit incessant. Mais est-ce qu'elle ne s'arrêtera jamais? Un peu de calme, cela s'arrêtera bientôt. Et tu ne t'es pas dit, papa, que Grover pouvait être tombé dans un fossé, que peut-être il était blessé? S'il est blessé, c'est qu'il aura voulu. Oh, grand-père, c'est effroyable! Tu parles comme si nous étions pires que des affreux riches. Mais nous sommes des affreux riches, comme tu dis. Et nous avons le droit, ma chérie, d'être des affreux riches. Dieu sait ce que nous payons comme impôts. Est-ce que je t'ai dit que le gouvernement nous avait obligés à mettre des épurateurs dans notre usine de papier? C'est ce que ces messieurs appellent contrôle anti-pollution, Iris. Qu'ils appellent ça comme ils voudront, ce que je sais, c'est que ça coûte des millions. Et nos dividendes vont se trouver réduits à rien. Où avez-vous trouvé la Jeep de Grover? À l'extrémité de l'île. Et lui, vous ne l'avez pas vu? Non. J'en suis pas surpris du tout. On ne peut compter sur personne aujourd'hui. À moins qu'il ne soit dans la famille depuis toujours. Il ne marche toujours pas? Non. Ah, ce téléphone, c'est incroyable! Voulez-vous prendre un verre avant le dîner? Non, non, merci. Puis-je vous voir seul un instant? Bien sûr. Il est arrivé quelque chose? Non. Combien de temps encore, mes belles? Dans une petite minute. J'ai fait tout ce que j'ai pu, naturellement. Mais il faudra absolument enlever son corps. Oui. Merci de m'en avoir averti le premier. J'apprécie ce geste. Inutile d'effrayer les autres, surtout aujourd'hui. Oui, j'ai cru comprendre que c'était une grande fête. 2 semaines avec ma famille que je vois au moment des vacances. Je n'ai plus que ça dans ma vie. Il y a 15 ans, la nature a fait de moi une ruine. Elle m'a cloué là-dedans. Nous avons au mois de juillet 4 anniversaires. Le mien, celui de Karen, de Stuart et de Mark. Nous les célébrons ensemble depuis des années. Et nous les célébrerons jusqu'à mon centenaire. Ici. Je vous présente mes meilleurs voeux de bon anniversaire, monsieur. Je suis certain que ce sera un grand jour pour tout le monde. Si le village est trop loin, je demanderai à Clint ou à quelqu'un d'autre de me conduire de l'autre côté du lac. Que voulez-vous dire? Restez ici jusqu'à demain. Mais pour le corps, monsieur. C'est incroyable. Regardez ça. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez tous à rester là, debout? À table. Je
grenouilles à l'assaut des fenêtres, des serpents dans les lustres. Cela n'est pas tout à fait normal, Monsieur Crockett. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter pour ça. Je suis sûr que l'État sera d'accord pour qu'un avion pulvérise du TX-7. Oui, l'État sera peut-être d'accord, mais vous tuerez en même temps des tas d'autres choses. Monsieur Smith, je le regrette, mais c'est là que vous et moi ne sommes plus d'accord. J'ai toujours pensé, je le pense encore, que le maître du monde, c'est l'homme. Dois-je comprendre qu'il ne peut vivre en harmonie avec le reste du monde? Est-ce que vous trouvez que ce vacarme infernal et incessant est harmonieux? Monsieur Crockett, cela va sans doute vous paraître étrange, mais... Et si la nature voulait nous rendre l'appareil? Grotesque. Alors, comment l'expliquer? Attendons. J'ai l'impression que tout ce que j'ai à faire ici, c'est de surveiller ces maudits gosses. Et espérer qu'ils ne font pas de bêtises qui irriteraient grand-père. Ils ne font que ça, bien sûr. La famille. Personne ne m'aime ici. Et toi? Tu es toujours parti dans ce canot automobile, des journées et des nuits entières. Et tu bois sans arrêt. J'en ai assez. Ça dure 2 semaines par an, chérie. Et il n'y a que lui qui compte. C'est toute la journée, oui, grand-père, non, grand-père. Et moi, tu n'y penses pas? Je suis ta femme, il me semble. Voyons, écoute-moi. Tosmelli, est-ce que tu vas m'écouter? Réfléchis, c'est un vieil homme. Il lui reste peu de temps à vivre. Ça signifie $1 million ou plus pour moi. Ce que nous avons à faire, c'est de bien jouer nos cartes, c'est tout. Eh bien, c'est un jeu que je déteste. Est-ce que tu vas la boucler? Bonsoir, Peter. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. J'étais en train de méditer. Je deviens comme Jenny. Ces grenouilles me rendent folle, moi aussi. Je croirais dans un autre monde ici ce soir. Je suppose que vous devez trouver ce pays aussi insolite le jour que la nuit. Vous faites ça depuis longtemps? Quoi? Des photos, bien sûr. C'est le seul métier que je connaisse. Vous travaillez toujours en plein air? Chaque fois que je le peux. Vous aimez beaucoup ce travail? Oui, beaucoup. Pourquoi? Je peux voyager, voir des tas de gens, des beaux pays un peu partout. Personne ne me commande. Je suis mon maître. La liberté, c'est peut-être ça. De quoi avez-vous parlé avec grand-père ce soir? De tout et de rien. Est-ce qu'il fallait que vous le voyiez seul? Pourquoi avez-vous fermé la porte? J'ai compris quand vous avez ramené la Jeep à la maison qu'il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie, Peter, dites-le-moi. Mais enfin, que se passe-t-il ici que grand-père tient à cacher à sa famille? Est-ce que c'est tellement grave? N'en ai pas la moindre idée. Très bien. On commence à sentir l'humidité, je rentre. Vous ne venez pas? Non, je reste un instant, je vous verrai demain. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, mes enfants. Est-ce que vous avez préparé vos pétards? Quand est-ce qu'on fera le feu d'artifice? Il y aura le bouquet? Dans la soirée, quand il fera nuit, après le gâteau d'anniversaire et le champagne. Vous êtes assez grand pour savoir ça. Allons, ne restez pas à la planter, allez jouer quelque part. On y va. Encore une année de passé, Monsieur Crockett. Un autre jour de bonheur pour toute la famille. Oui, merci, mes belles. Une année qui s'achève, une autre qui commence.
Est-ce que George s'occupe de décorer la maison? Oui, monsieur. Personne n'a vu Clint. Je m'en voudrais de le déranger avant qu'il n'ait terminé son entraînement. Ce n'est plus du tout comme à l'université, hein? Non, grand-père, vous faites erreur. L'ennui, c'est que c'est tout à fait comme à l'université. Tu aimerais peut-être décorer la maison avec George, si tu as un peu de temps. Oui, merci. J'en serais ravie. Que nous sommes le 4 juillet. Ou que les Martiens ont débarqué. Encore une chance qu'il n'ait pas commencé avant 8. Il est évident qu'ils n'ont pas réussi à réveiller tout le monde. Vous êtes-vous bien reposé, Monsieur Smith? Oui, très bien, merci. Désirez-vous quelque chose? Non, non, rien. Bon, je vais réparer mon foulet. Au revoir, à tout à l'heure. Bienvenue à l'étranger qui est resté chez les pirates. Encore un peu de café? Non, merci. J'ai failli venir dans votre chambre hier soir. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu peur, les parquets sont très bruyants. Je suis désolé que Jason Crockett ne garde pas son parquet en meilleur état. J'ai été très contente de cette conversation hier. Eh bien, il faudra recommencer. Je suis prêt. Qui est-ce qui se bat avec moi? Hé, hey, Smith! Il n'est pas là. Et où est-il? Mike, quand tu auras fini, peut-être que tu pourras me chauffer un peu? Non. Non, je ne veux pas. Oh, allez. Viens. Pas mal. Bien, le jeu, c'est simplement de monter sur ce tronc, de rester dessus, de mettre la main gauche derrière le dos, comme ça, et c'est tout ce qu'on a à faire. Juste ça. Vas-y, Mike, cogne. Non, j'en ai marre. C'est un perdant, ce garçon. Vous avez garé votre soupirant. Je voudrais bien avoir cette chance. Si vous veniez jouer avec moi sur mon tronc d'arbre. Désolée, ce ne sont pas les jeux que j'aime. Et quels sont les jeux que vous aimez? Est-ce que vous comprendrez? C'est quelque chose de plus doux et... de plus raffiné. Essayez pour voir. Je n'ai pas l'intention de m'attarder ici très longtemps. Bonjour, monsieur Crockett. Bon anniversaire. Ah, merci. Vous avez pris votre petit déjeuner? Oui, monsieur, merci. Smith, vous n'aimeriez pas jouer un peu? Tout à l'heure, Clint, il faut que je lui parle. Entendu. Je pourrais peut-être faire encore un tour de l'île, monsieur Crockett, si vous le voulez bien. Je vérifierai également la ligne téléphonique. Mike, veux-tu prendre la Jeep? Et va voir s'il y a quelque chose d'anormal sur la ligne. J'y vais, grand-père. Monsieur Smith, vous me paraissez particulièrement soucieux. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant? Je ne voudrais à aucun prix gâcher votre journée, mais... il faudrait faire quelque chose pour le corps. Et ce n'est pas tout, monsieur Crockett. Vous avez exagéré avec tous ces poisons et ce TX7. J'ai peur de penser à ce qui est arrivé. Prenez ça, monsieur Mike. À tout hasard. Merci, ma belle.
Cette année, il me semble que j'ai pensé à tout. Un nouveau badminton, un filet, également 4 belles raquettes toutes neuves. Et, oh, Kenneth, voudrais-tu aller dans la serre, mon chéri, et ramener du cymbidium? Et tu prendras aussi ces jolies orchidées vert pâle, tu sais, celles qui sont toutes petites. J'ai trop à faire et c'est un petit peu compliqué pour mes belles. Oh, un papithéoglocus! Oh, il faut que j'aille tout de suite chercher mon filet. Allons chercher ces orchidées. Attends une minute. Je vais te montrer ma nouvelle technique. Tu seras ébloui. J'ai pas le temps. Va lui régler son compte. Alors, papa, sois pas ridicule. T'as plus de sous, fais-lui voir, mon petit. Je voudrais te voir tomber sur le derrière. Je veux rien montrer à personne, rien du tout. Mauviette, va. Mais si tu ne joues pas, tu pourrais essayer de faire quelque chose d'utile. Qu'est-ce que je pourrais trouver, voyons. Préparer une cible pour les fléchettes. Ou encore inspecter la cave et remonter quelques bonnes bouteilles. Ou peut-être offrir à grand-père de faire une partie de dés. Mais tu n'en feras pas. Ah, non, sûrement pas. Où sont les cymbidiums? Cymbidium, cymbidium. J'espère que tu te rends compte que tu as pris ton dernier repas sur le dos des croquettes. Ah, ah, ah.
père, je ne sais pas quand vous voulez que la fête commence. Tout le monde n'est pas encore entré. Mais je sais que les autres fois, elle débutait à cette heure-ci. Qui est-ce qui n'est pas rentré? Mike et qui d'autre? Iris est partie à la chasse aux papillons il y a à peu près une demi-heure. Kenneth a dit quelque chose au sujet de la serre. Je pense qu'il est allé chercher des fleurs. Karen, veux-tu aller voir s'il est dans la maison? Et s'il y est, dis-lui de venir ici tout de suite. Entendu, grand-père. Oh, je pense qu'Iris ne va pas tarder maintenant. Au lieu de rester planté là, tu ferais mieux d'aller au-devant d'elle. D'accord. Doucement. Oui. C'est ça. Oh. Pas si vite, il faut réfléchir avant d'agir. C'est un jeu extrêmement subtil. Et vous êtes doué pour les jeux subtils. Oui, beaucoup plus qu'on ne le croit. Je vous étonnerai. George, vous avez vu Kenneth? Il a demandé à Mabel de sortir quelques vases pour les fleurs. Il y a plus d'une heure de ça. C'est bizarre. Grand-père commence à s'impatienter. Avez-vous vu Kenneth? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours en panne? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et votre grand-père n'est pas à prendre avec des pincettes. J'ai l'impression qu'à part vous, personne ici ne sait comment le prendre. Oui, jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à faire. Si on ne retrouve pas Kenneth très vite, il va y avoir un vrai feu d'artifice. Cymbidium. Colonel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a vu? Mais que se passe-t-il? Clint! Oh, je t'en prie, allons-nous-en. Clint, fais taire ta femme. Oh, grand-père, il se passe des choses effroyables ici. Est-ce que tu vas te taire, oui? Monsieur Croquette, tout le monde sait quelle importance vous attachez à cette... Oui, en effet. Beaucoup plus que vous ne le croyez. Cette journée d'anniversaire se déroulera exactement comme je l'ai prévu. Comme je l'ai fêté toute ma vie. Rien ni personne ne l'interrompra. C'est vrai, monsieur Croquette. Il y a des bouteilles de poison cassées dans toute la serre. Il est mort asphyxié. Karen, ramène-moi à l'intérieur.
Dean, je vais avoir besoin de vous. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas, Monsieur Smith. Merci, George. Expliquez-vous. Je ne sais pas, George. Y a-t-il une pièce où on peut le mettre? Oui, monsieur, je vais vous montrer.
Iris! Merci, mes belles. Grand-père, je crois que nous devons absolument nous en aller d'ici. C'est trop dangereux. Et Mac, Iris et Stuart? Ah, il faut d'abord aller chercher de l'aide. Après, nous pourrons découvrir ce qui s'est passé. Un instant, écoutez-moi avant de vous énerver. Comme vous tous, je suis profondément bouleversé par tout ce qui est arrivé. Mais croyez-moi, nous pouvons très bien faire ce que nous avons à faire un peu plus tard. Plus tard? Mais pourquoi plus tard, grand-père? Parce que je refuse que quoi que ce soit vienne troubler l'organisation de cette journée. J'ai dit quoi que ce soit. Une année s'achève, une autre commence. Comme cela a toujours été, comme cela sera toujours. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que signifie ce toujours. Je me fiche de ce que vous pensez, figurez-vous. Peter, vous devez nous aider. Nous ne savons absolument pas quoi faire. Moi, je le sais. Et vous allez obéir. Ce n'est pas à cause d'une mort, disons, accidentelle, que tout le monde doit commencer à paniquer. Deux morts, Monsieur Crockett. Deux morts aussi étranges l'une que l'autre. Qui est l'autre? Qui avez-vous vu? C'est Grover. Je l'ai trouvé hier soir. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que je lui en ai donné l'ordre. J'ai pensé que c'était inutile. Je ne voulais pas gâcher votre journée. La vôtre ou la nôtre? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était dans le marécage. C'est un serpent qui l'a attaqué. Est-ce que vous croyez que c'est un autre accident, grand-père? Est-ce que c'est encore le hasard? Karen, et c'est valable pour les autres, cette conversation est terminée. Non, elle ne l'est pas. Écoutez, j'ignore ce qui se passe ici. Et si cela se passe également ailleurs. Mais nous sommes tous des idiots si nous refusons de voir qu'en ce moment on est dans un pétrin effroyable. Et qu'il va falloir se serrer les coudes et se battre. Je vous en prie, continuez, Peter. Vous êtes le seul homme dans cette maison qui parle pour dire quelque chose. D'abord, il faut que nous retrouvions Iris, Stuart et Mike. Je vais être très franc avec vous. Je ne pense pas que nous les retrouvions. Pas vivants, en tout cas. Mais que nous les retrouvions ou non, il va falloir quitter cette maudite île au plus tôt. Tous ensemble. Nous prendrons le hors-bord et nous remorquerons le canoë. Laisser cette maison vide et abandonnée? Je ne crois pas que vous aurez beaucoup de visiteurs à votre charmante réception d'aujourd'hui. Vous n'avez rien remarqué? Il n'y a pas un seul bateau sur le lac. Est-ce que vous croyez que c'est partout la même chose, Monsieur Smith? Et après, nous ferions mieux de nous en aller tous ensemble. Moi, je ne le veux pas. Le seul qui commande ici, c'est moi, pas vous. Moi, personne ne me commande, Monsieur Crockett. Et je n'ai pas l'intention de rester une seconde de plus sur cette île. Je peux partir seule ou avec d'autres, mais je veux m'en aller, c'est tout. Allez-vous-en si vous voulez, personne ne vous retiendra ici. Monsieur Crockett, je vous prie de m'excuser, mais je suis persuadé que Monsieur Smith a tout à fait raison. Il vaut mieux s'en aller tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? George, oseriez-vous contredire votre maître? Allons, allons. Quoi, pour un simple accident, vous voulez vous en aller? Monsieur Crockett, je vous assure, ce n'est pas un simple accident. Vous devez vous en rendre compte. Je ne me rends compte que d'une chose, de ce qui est loyal et de ce qui ne l'est pas. Ça, je m'en rends compte. Et si vous voulez vous en aller, prenez vos affaires et fichez le camp. C'est ce que vous voulez. Je me demande si vous en avez entendu parler dans ce coin de terre au milieu de votre île. Mais ça fait maintenant 107 ans que nous ne sommes plus des esclaves.
et que nous sommes libres de prendre les décisions qui nous plaisent. Monsieur Crockett, je souhaite que vous changiez d'avis pour votre propre sécurité. Monsieur Crockett... Si vous voulez partir, eh bien, allez-vous-en. Fichez le camp, tous les trois. Clint? Oui, grand-père. Fais-leur traverser le lac et laisse-les. Regarde bien autour de toi et ensuite reviens à la maison. D'accord, je m'en charge. Mesdames, messieurs, vous avez 5 minutes. Merci. Et encore une fois, merci pour votre hospitalité. Je vous écrirai ma lettre de remerciement quand je me retrouverai chez les civilisés. Vous allez avoir amené une dure bataille, monsieur Crockett. Vous feriez bien de vous y préparer. Justin, où êtes-vous, bon Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire? Non, rien. L'un de vous sait-il se servir de ses armes? J'ai bien peur que non. Je n'ai jamais pu supporter ces engins. Karen, même dans ces circonstances très particulières, y a-t-il une raison pour qu'on ne me donne pas à manger? Bien sûr que non, grand-père, et je suppose que les enfants aussi doivent avoir faim. Qu'est-ce que vous voulez? Je désire qu'on me donne le menu comme cela a été prévu, et qu'on commence par un double whisky pour moi. Tout de suite. Mais où est Clint? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait être de retour maintenant? Tout dépend du nombre de bières qu'il emporte avec lui, tu ne penses pas? Oui, sans doute.
Quelque part. Dans le hangar à outils. Merci. Vous avez vu? Quand je suis revenu, elles se sont enfuies de la terrasse. Il est vrai qu'elles sont si intelligentes. Elles pensent, les grenouilles de nos jours, et les escargots sont, paraît-il, plus doués encore. Leur petit cerveau est aussi génial que le nôtre, c'est ce que vous voulez dire. Où sont maman et papa? Où est maman, Karen? Votre papa a traversé le lac et n'est pas encore rentré. Votre maman vient juste de sortir. Je ne l'ai vu nulle part. Nous ne savons pas, chérie, nous ne savons pas. Comment allons-nous partir? Ils courent comme des poulets à qui on aurait coupé le cou. Grand-père! On vient de voir le bateau sur le lac, mais il n'y a personne et il dérive. C'est vrai, monsieur Croquette. Il n'y a personne dedans. Maintenant, nous partons tous. Les Croquettes ne partent pas! Mais voyons, grand-père, après tout ce qui est arrivé aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça changera quelque chose si nous restons? Ne discute pas, je reste et tu restes. Mais voyons, c'est grotesque! Ce sont ces enfants que nous devons éloigner. Et vous non plus, vous ne pouvez pas rester. C'est moi qui donne des ordres dans cette maison, moi seul. Et si tu veux me désobéir, eh bien, ne te gêne pas, vas-y. Je pensais que toi, tu étais différente des autres. Je pensais que tu avais la force des Croquettes, leur courage. Mais si tu veux partir, eh bien, va. Fiche-moi le camp, allez. Est-ce que vous avez bien entendu? Je veux savoir si vous êtes avec moi ou contre moi. Est-ce que c'est clair? Vous pensez que ça ira? Ne vous faites pas de soucis pour moi. Je suis très touché de votre sollicitude. Je sais parfaitement me débrouiller tout seul. L'ascenseur est là, je peux très bien le prendre seul. Je peux aussi aller dans ma chambre et me coucher. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, et je dormirai aussi bien qu'un bébé. Puis-je prendre un de vos fusils? Tout ce que vous voulez. Et ne le rapportez pas! Bon anniversaire, monsieur Jason Croquette. À moi. Bon, allons-y. Au revoir, grand-père. Grand-père? Thank you.
Bon, les enfants, maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. À mon signal, vous vous mettez à courir. Il faut arriver le plus vite possible au ponton, d'accord? Et ne marchez pas sur les grenouilles. À vos marques, attention, partez! Nous avons heurté un tronc d'arbre. Moi, chérie, il n'y a personne ici. Non, non, non.
Bonjour, il y a quelque chose qui ne va pas? Nous avons eu quelques ennuis. Est-ce que nous pouvons monter? Oh, bien sûr, avec plaisir. Allez-y, je vous en prie. Merci. Venez! De voiture? Non, c'est une longue histoire. Merci de nous avoir pris. Je ramène mon fils chez moi à Jefferson City. Il était en colonie de vacances et j'ai été le chercher. Salut, je m'appelle Bob. Salut. Salut. Nous roulons sur cette route depuis 3 heures à peu près. Et vous êtes les seules personnes que nous ayons vues. Je n'arrive pas à comprendre que tout le monde se soit bouclé chez soi un jour de congé. Vous voulez voir ce que j'ai attrapé? Il y en avait plein partout où j'étais. Vous avez déjà vu des monstres aussi gros que celui-là? Thank you.
Mmh.